Un chardon de travers. C'est pour ça qu'elle a le hoquet. J'en ai assez de vivre dans ce troupeau avec ces vieilles biques. Je veux être libre, libre comme l'air. Allez les chèvres, c'est l'heure d'aller boire. Oust! Tout le monde direction le torrent. Obéir, toujours obéir. Eh oh, toi, qu'est-ce que tu as à rêvasser comme ça? Allez, direction le torrent, comme tout le monde. J'en ai assez. Je m'en vais. A-t-il fallu qu'on se réveille si tôt, Yakari? Tu sais que j'adore me promener en forêt le matin. Oh oh, calme-toi, petit tonnerre! Une chèvre? Merci, la chèvre. Il va se jeter dessus. Eh oh, pas si vite! Suivons ce loup, petit tonnerre. Hein? Mais pourquoi faire? S'il y a une chèvre dans la forêt, ce loup va la dévorer toute crue. Tu préfères qu'il nous dévore, nous? Non, mais va-t'en! Va-t'en! Oh, je vais tomber! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Tu vas descendre, oui. Je ne sais pas qui tu es, mais... Tu n'as rien à faire ici, d'accord? Très bien. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Hé, la chèvre! Attends! Ils ne sont vraiment pas sympathiques. C'est pas grave. Il y a d'autres rencontres à faire dans cette forêt. Bonjour, la chèvre.
fais-tu par ici? Tu as quitté le canyon où tu vis d'habitude? J'en ai assez de mon troupeau. Les chèvres ne sont pas faites pour vivre toutes seules. Ah oui? Eh bien moi si. Écoute-moi, je crois que tu ferais mieux de rentrer chez toi. Jamais, jamais. Un loup t'a repéré! Gare à toi si tu tombes entre ses crocs! Un loup? Jamais entendu parler de cet animal-là. Et puis, j'ai mes cornes pour me défendre. Elles ont l'air de vraiment bien s'amuser. Je vais me baigner avec elles. Non, petite chèvre, reviens. Tu vas les effrayer. Petite chèvre, accroche-toi. Qu'est-ce que j'ai eu peur? Merci. Tu vois, il aurait pu t'attraper. Il faut que tu rentres chez toi, je te raccompagne. Allez. Non. Mais tu as dit toi-même que tu avais eu peur. Je n'ai jamais dit ça. Des chasseurs. Et tu allais leur rentrer dedans. Voilà. Ici, tu seras en parfaite sécurité. Je vous la confie. Le temps d'éloigner le loup de la forêt. Sois prudent, Yakari. Il paraît que les chèvres, ça mange tout et n'importe quoi. Mais qui vous a dit ça? En tout cas, ne broute pas notre herbe. Et interdiction formelle de galoper au milieu de l'enclos. Moi, courir partout? Je ne suis pas comme vous. Ne t'inquiète pas, ils sont parfois de mauvaise humeur, mais... Ils sont pires que l'âne, le gardien de notre troupeau. Je ne reste pas ici. À moi, à la liberté! Hé, hey, attends! Ce loup ne doit pas être loin. Comment le convaincre de partir? Petit tonnerre! La chèvre s'est sauvée! Quoi? Elle est... Oh! Yakari, ça va? Oui, ça va, ça va. Emmène-moi, petit tonnerre! Il faut qu'on la rejoigne avant le loup. Petite chèvre! Petite chèvre! La voilà! Elle est complètement inconsciente. Et têtue en plus. Petite chèvre! Par ici! Attrape-moi si tu le peux! Oh non! Elle va nous rendre fous! Attends! J'ai une petite idée. À vos pattes! J'ai besoin de votre aide, les castors! Et de rondins de bois. J'espère que c'est important. Par ici. Petit tonnerre, viens! La chèvre! La chèvre! Viens! On veut bien jouer avec toi! J'espère que ça va marcher. La chèvre! La chèvre! Dépêche-toi, on t'attend! J'arrive, les amis! Oh, oups.
Je t'interdis de lui faire du mal. Tu ne crains plus rien maintenant, la chèvre. Oui, j'ai eu tellement peur. Tu n'as plus qu'à traverser cette forêt et tu retrouveras le chemin qui te conduira chez toi. Oh oui, je reconnais le chemin maintenant. Tu avais raison, Yakari, c'est trop dangereux de vivre toute seule. Rien ne vaut mon troupeau. Le problème, c'est que je m'ennuie. Et puis, je n'ai pas d'amis dans le troupeau. Et moi, je suis certain que toutes les chèvres vont être très heureuses de te revoir. Oui, mais l'âne, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Où étais-tu? On était folles d'inquiétude. J'étais partie à l'aventure. Je vais vous raconter ça. Oh oui! Moi aussi, je veux bien entendre ça. C'est vrai, je m'inquiétais pour toi. Pour le loup, je ne sais pas, mais tu as bel et bien chassé la chèvre de cette forêt, Yakari. Elle n'est pas prête de remettre une patte ici. Bonne route. Tu as vraiment été courageux, petit homme. Quant à moi, je retourne dans ma meute. Attends, Yakari. Les courants sont trop violents. Nous ne traverserons pas ici. Il n'y a aucun passage. Impossible de franchir la rivière. Il est tombé trop de pluie depuis la dernière lune. Mais les grands froids arrivent. Il n'y aura bientôt plus rien à chasser par ici. Tu as raison, Corbeau Hardy. Nous devons atteindre la vallée verdoyante au plus vite. Mais comment? Je ne vois qu'une seule solution. Passer par la montagne. Oui, Yakari, c'est notre seule chance. Mais la montagne est pleine de dangers. Il y a la neige, les plaques de glace instables et les terribles crevasses. Nous savons tout cela, Corbeau Hardy. Mais avons-nous le choix? Le Conseil des Sages choisira des éclaireurs pour trouver le chemin le plus aisé vers la vallée où nous pourrons passer l'hiver. Mais que fais-tu, Yakari? Je prépare mon sac. Si le Conseil des Sages me choisit comme éclaireur, je dois être prêt. Tu ne penses pas qu'ils vont plutôt choisir des adultes qui connaissent la montagne? Mais je connais la montagne. Oui, verte et ensoleillée. Et alors? Mais maintenant, elle est recouverte de neige et il y a des vents violents. Ouh! Oh! Le vent ne me fait pas peur. Ah! Yakari, les Sages m'ont désigné ainsi que Corbeau Hardy. C'est nous qui partons en éclaireur. Hein? Et moi, je ne pars pas? Non, mon fils. Patience. Un jour, tu aideras la tribu à trouver son chemin. Tu crois? En route! Trouver un passage accessible à toute la tribu ne sera pas facile pour nos éclaireurs. Ces montagnes ont mauvaise réputation. Il faut de la bravoure pour les affronter.
Allez, Yakari. Tu n'es pas éclaireur cette fois-ci, mais on peut tout de même faire une belle balade aujourd'hui. Je sais, mais je me sentirais plus utile pour la tribu si je pouvais accompagner les éclaireurs. Tu sembles très préoccupé, Yakari. Je veux aider ma tribu. Elle ne peut pas affronter les dangers de la montagne. Et pour elle, tu veux trouver le chemin le plus facile vers la vallée verdoyante. Celles qui connaissent le mieux les montagnes sauront te frayer un chemin, Yakari. Celles ? Mais de qui parles-tu, grand aigle ? Yakari, aide-moi, s'il te plaît. Nous devons être prêts à prendre la route lorsque les éclaireurs reviendront. S'ils parviennent à trouver un passage, bien sûr. Tortue rapide, à ton avis, qui connaît le mieux ces montagnes ? La pluie qui nourrit les torrents, le vent qui érode les sommets, la neige. C'est tout ? Certains animaux, bien sûr. Mais oui, les animaux. Merci, Tortue Rapide. Arc-en-ciel, quel animal connaît le mieux la montagne, d'après toi ? Il doit s'agir de... des chèvres des montagnes ? Ah oui, les chèvres, bien sûr. Je dois les trouver. Là, maintenant ? Toujours d'accord pour une belle balade, petit tonnerre ? Une balade ? Pourquoi pas ? Mais où ? Dans la montagne. Je t'expliquerai en route. Tu es d'accord ? Je ne sais pas. Peut-être, mais... Je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, en route. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de chercher ces chèvres des montagnes ? Je suis sûre que Grand Aigle voulait parler des chèvres. Il ne s'est jamais trompé. Mais comment les trouver, Yakari ? Ces montagnes sont immenses et le brouillard est... Mais... Ohé ! La marmotte ! Ohé ! Je ne veux pas faire la course ! Attends-moi ! Tu es perdu, petit homme ? Non, la marmotte. Je m'appelle Yakari et je cherche le chemin vers la vallée verdoyante. Je ne peux pas t'aider. Je n'y suis jamais allée. Mais dis-moi, tu n'as pas encore hiberné ? Non, non, justement, je cherche un endroit accueillant où je ne serai pas... seule. Tu ne saurais pas où se trouvent les chèvres qui vivent dans ces montagnes. Oh, les chèvres ! Je sais où elles se trouvent, je vais t'y conduire. Merci, je te suis avec mon poney. Ton poney ? Quel poney ? Mais il était là pourtant ! Petit tonnerre ! Petit tonnerre ! C'est trop dangereux là-haut. Tu ne veux pas rentrer ? Si, mais d'abord, la marmotte va nous conduire jusqu'aux chèvres. Elles nous indiqueront le chemin vers la vallée. Alors, on y va ? Le premier qui arrive en haut ! Courage, petit tonnerre ! Oh ? Je les entends, elles sont droit devant, les amis. Mais il va falloir grimper, je crois. Le premier arrivé ! Attends-moi ! Sois prudent, Yakari ! Le brouillard s'épaissit là-haut ! Allez, allez, petit Sioux ! Je les entends bien ! Elles sont toutes proches cette fois ! Yakari ! Non, la crevasse ! Yakari ! Yakari ! Yakari ! Tu m'entends ? Sûr que je le trouve avant toi ! Ce n'est pas un jeu, la marmotte, d'accord ? Oui, oui. Laisse-moi faire, alors.
amis là-haut étaient drôlement inquiets. Que c'est beau! Je n'ai jamais vu un endroit pareil. Oh, ça! Il fait froid. Je dois vite sortir d'ici. Petit Tonnerre doit s'inquiéter. Mais par là, impossible. Le premier qui trouve la sortie! Par ici! Oh! Pourquoi ris-tu, Yakari? Mes reflets! Ils ressemblent à plusieurs de mes amis. Celui-là, c'est Œil de Bouillon. L'autre est Lorlan. Qu'est-ce que c'était? Ça semble venir de partout en même temps. Vaut mieux quand même sortir de là, Yakari! Essayons tout droit! Corny. Tiens, bonjour, Yakari. Le cri terrible de tout à l'heure, c'était donc ça. Un simple bêlement de chèvre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche celles qui connaissent le mieux la montagne pour m'indiquer le chemin de la vallée verdoyante. Et toi, que cherches-tu, petite marmotte? Moi? Plus rien. Je viens de trouver le meilleur endroit pour hiberner, et c'est ici. Merci pour ton aide, mais je ne connais même pas ton nom, Marmotte. Je n'ai pas de nom. Le premier qui m'en trouve un... Moi, comme nom, je garderai la Marmotte. Petit Tonnerre. Yakari. Tout va bien, Petit Tonnerre. Tu vois ce passage, Yakari? C'est là. C'est le chemin le plus sûr. Merci, Cornera Corny. Grand Aigle avait raison. Vous êtes celles qui connaissent le mieux la montagne. Regardez, les deux éclaireurs. Hein? Mais ils vont droit vers les glaciers. C'est très dangereux. Ohé! Pas par là! Yakari, mais... Que fais-tu là? J'ai trouvé la vallée. C'est par là. Comment as-tu fait pour la trouver? J'ai... observé les chèvres. Elles connaissent la montagne. Il m'a suffi de les suivre. Ce que tu as fait n'était pas prudent. Mais grâce à toi, Yakari, la tribu est sauvée. Les éclaireurs! Yakari! Nous avons trouvé un chemin menant à la vallée, grâce à Yakari. Et Petit Tonnerre. Je suis fier de toi, mon fils. Les Sioux sont en route pour la vallée verdoyante. Ils passent près d'ici. Tu veux saluer Yakari? Oh, je dors, la chèvre. La première qui arrête de bêler.